Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo. Alors vous avez sûrement vu avec la miniature que ça avait un rapport avec Kanye West. Non, je n'ai pas passé une soirée avec lui. En fait, il a fait un gros buzz avec sa phrase « It sounds like a choice », ça veut dire « ça a tout l'air d'un choix ». Bon, lui, il parlait de l'esclavagisme. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet parce que ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais ce que lui disait, la raison pour laquelle ça a fait le buzz, c'est que, en fait, il disait que pour que les Noirs aient subi 400 ans d'esclavage, c'est que quelque part, ils devaient être d'accord parce que sinon, ils se seraient rebellés. En gros. Donc je ne parle pas de ce sujet-là, mais je voulais parler de l'humanité et c'est pour ça que j'ai réutilisé sa phrase pour vous dire que c'est que mon point de vue et l'idée que je développe depuis quelques semaines, mois, où en fait je comprends, j'ai compris pour mon propre cas que en fait on voulait changer les choses à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui luttent. Je suis désolée, il y a un des petits grumeaux qui ronchonne à côté. Il y a beaucoup de personnes qui luttent contre ce qui est à l'extérieur et du coup en fait les gens n'ont pas vraiment compris. Enfin, les gens, l'humanité n'a pas vraiment compris que ce n'est que en se changeant nous à l'intérieur de nous-mêmes qu'on va réussir à changer les choses à l'extérieur. Je m'explique, beaucoup de personnes pensent que c'est en devenant végé, vegan, en achetant que du bio, en étant hyper à donf dans le recyclage, etc., qu'on va changer la planète. Sauf qu'en fait, la planète n'est que le reflet, le miroir de ce que l'humanité globale est à l'intérieur. À l'intérieur de nous, quand je regarde l'humanité d'un point de vue externe, je me rends bien compte, et je suis sûre que vous serez sûrement d'accord, que beaucoup de personnes ont beau faire des efforts à l'extérieur, c'est-à-dire changer leur comportement, au niveau de leurs pensées, elles n'ont pas vraiment changé. J'en vois beaucoup qui sont responsables au niveau écologie, etc. À côté de ça, c'est des gens qui passent leur temps à critiquer les autres, qui sont pas plein d'amour, qui sont toujours en train de juger autrui, qui... Voilà, en gros, dans les actes, c'est beau. Dans les faits intérieurs, c'est pas très joli. Et ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, c'est que certes, Gandhi l'avait compris quand il a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », sauf que je pense qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas compris cette phrase comme elle l'a été dite, ou peut-être c'est moi qui la comprends différemment, mais on sait pas qui a raison, et en fait, on s'en tape. J'expose juste aujourd'hui ma façon de voir les choses et je pense que ça fait quand même 10-15 ans que les gens ont vraiment changé dans leur manière de faire les choses et que visiblement ça n'a pas l'air de vraiment marcher. Donc peut-être faudrait changer non pas notre manière de faire mais notre manière d'être. Et donc je pense que si on changeait qui on est plus que ce que l'on fait, on pourrait changer ce qui est plus que ce qui est fait. Voilà, j'espère que ça sera assez clair et que si vous avez des questions, vous les poserez en commentaire. PS, j'ai profité de tourner cette vidéo parce qu'on sort au resto avec Mathieu et qu'en tant que bon parent de 3 enfants, on fait des efforts quand on sort au resto parce qu'en fait ça n'arrive pas très souvent. Voilà, bonne soirée, enfin bonne journée ou quand est-ce que vous regarderez la vidéo. À très bientôt.